Good morning, allez, idem les études sur aujourd'hui, le Lunishmat, Avram Chayin, Robert Ben Fortuné, Mazal, Idida Batester. Si vous souhaitez, vous aussi des une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étudions ma Sechet Kirtut, Perek Aleph, Mishnah Dalet, Elou Mevi, Ot, Ve Enonei, Chal Hamapelet, Ve En Yadou Amahi Pila. Ve Chen, Shete Nashim, Shehi Pilou, Achat Mimin Ptour, Ve Achat Mimin Chova. Amar Bi Yossi Ematai, Bizman Shal Chou Zor le Mizrach, Ve Zor le Maharav. אבל אם היו שתיהן עומדות כאחת, מביאות קורבן ונאכל. On continue le sujet de la Mishnah Gimel, où on apprenait que une femme qui accouche, elle doit apporter deux korbanot. Un korban Ola et un korban Khatat. Maintenant, le Ola, comme son nom l'indique, korban Ola, korban Khatat, en volaille. D'accord? Deux volailles. Shte Torim, Oshne Benayona. Le korban Ola, on va lui faire la Melika. Et on va le jeter entièrement sur le feu du Mizbeach. Tandis que le Korban Khatat, on va lui faire la Melika. La Melika, c'est la fameuse Shrita avec l'ongle spécialement dans le Korbanot. Et après, on va asperger de son sang sur le Mizbeach. Et après, ce Korban Khatat, il va être consommé par les Kohanim. Il va être mangé par les Kohanim. Dans la Mishnah Gimel, on apprenait justement qu'il fallait le manger pour le donner à manger aux Kohanim. Dans notre Mishnah, on va découvrir à présent Ve'elu Mevi'ot Ve'enon Echal. Telles sont les femmes qui devront apporter un Korban. Korban Ola et Korban Khatat, mais Enon Echal, ce Korban Khatat, il ne pourra pas être mangé avec le Kohanim. Pourquoi par le Kohanim? Pour quelle raison? Parce qu'on a un doute, est-ce que réellement elle devait apporter un Korban ou non? On va tout expliquer ensuite, plus dans les détails, mais pour le moment, on pose l'idée générale, l'axiome, que, donc, il y a une femme ici, qu'elle ne sait pas est-ce qu'elle a accouché un enfant ou pas, en fait. Et donc, dans le doute maintenant, pour pouvoir finir sa purification, eh bien, elle va devoir apporter un korban. Seulement, de confronter un grave problème, c'est que si toutefois elle n'avait pas accouché un enfant, alors elle est dispensée d'apporter un korban. Si elle ne doit pas apporter le korban, alors elle n'a pas le droit d'apporter un animal qu'on va égorger dans la zara. Alors, pour le hola, on aura encore des solutions, mais pour le korban, ce sera bien. Pour le korban khatat, ce sera bien plus compliqué, comme ce qu'on va expliquer. Suite à cela, la Mishnah enseigne, tu sais quoi, tu l'apportes, tu le fais, mais il n'est pas mangé par le kohanim, et on va le comme ce qu'on apprenait, je ne sais plus, qu'il faudra le détruire, en fait. D'accord? Le laisser mourir. On va le tuer, non? On va le laisser pourrir et le jeter la Bahama. Ou l'enterrer. Ou... D'accord. Donc la Mishnah enseigne. Elo meviot venon echal. Telles sont les femmes qui ont apporté un korban et qui ne sera pas consommé. Et la Mishnah commence à me les détailler. Amapelet ve'en yadua mahi pila. Celle qui a fait une fausse couche, mais elle ne sait pas ce qu'elle a accouché. Comme ce qu'on avait appris dans la Mishnah précédente, il y a une femme qui peut tomber en début de grossesse et ensuite perdre ce qu'elle avait dans son ventre, un placenta, avec dedans quelque chose. Ça peut être un liquide, ça peut être toutes sortes de choses. Et on apprenait selon le cas que en général, on va considérer qu'il y a un enfant, mais qui a même qui a été décomposé, mais donc elle a une tumatleda, elle a une impureté de la femme qui a accouché. Mais il est possible aussi que parfois elle va accoucher une forme de poisson, on avait une forme d'oiseau. Toutes sortes de choses qui font que ça ne s'appelle pas un enfant, donc il n'y a pas d'impureté de Tumat Leda. C'est une impureté par rapport à l'anida, c'est encore un autre sujet, mais en tout cas, elle n'aura pas accouché cette dame-là. Elle a un doute maintenant, elle a fait sortir un truc, elle a commencé à vouloir le voir, l'amener au Rav, et puis elle a perdu, elle a pu le retrouver, par exemple. Alors, dans le doute, il faudra qu'elle va apporter ce korban. Ou encore, Vechen Shten Nashim Shiipilu, Achat Mimin Ptur, Vachat Mimin Chova. Autre situation encore, c'est que tout simplement, il y en a une qui a réellement fait une fausse couche, qui a mis bas d'un enfant mort, et l'autre qui a fait une fausse couche, mais qui a mis bas d'une forme bizarre de petit oiseau, de petit animal qui est sorti. Et donc, mais on ne sait pas qui a couché quoi. Donc chacune, elle a maintenant ce doute, qu'est-ce qu'elle doit apporter? Un corban, est-ce qu'elle doit apporter un corban ou est-ce qu'elle n'a aucun besoin d'apporter un corban? Dans le doute, de nouveau, alors elle devra apporter le corban Ola et le corban Khatat. Et on explique un petit peu mieux maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec ce corban Khatat et ce corban Ola. Ola, tout d'abord, vous savez bien, Ola, ça peut être aussi offert en cadeau. Même si moi, je n'ai pas accouché, je suis un homme, et je décide d'apporter un korban Ola Ta'of, apporter un korban Ola en holocauste d'une volaille, je peux le prendre, je le mène au Beth Amikdash, on va lui faire la Melika, on va le jeter au feu. Il n'y a aucun problème. De ce fait, cette femme, qu'on ne sait pas est-ce qu'elle a accouché un enfant ou elle a accouché n'importe quoi, bon, alors elle pourra, par rapport au korban Ola, elle n'a aucun problème, elle va porter le korban Ola en disant, ben, si je suis imposé
Je remplis mon devoir. Et si je ne suis pas imposé, j'en fais cadeau. Pour le moment, tout va très bien. Le problème, il commence avec le korban khatat. Korban khatat, cette fois-ci, c'est beaucoup plus compliqué. Je vous ai dit, j'ai pas le droit, moi. D'abord, il y a un interdit de khulin shenishratu ba'azara. J'ai pas le droit, moi, d'apporter un animal, un veau que je compte manger pour moi-même et lui faire la shrita au Beit HaMikdash. C'est interdit. Ça s'appelle khulin shenishratu ba'azara. Il y a un interdit spécial sur ça. Selon ce principe, on ne peut pas faire un don d'un korban khatat. Korban khatat, c'est soit tu es imposé, soit tu apportes pas de khatat. Donc de ce fait, qu'est-ce qu'on va faire avec cette volaille? Alors là, Béhémet, le partenaire, il explique qu'on va malgré tout la porter, et on va asperger de son sang, et par rapport à l'interdit de shrouter, de khulin shen shrouter bazara, c'est assez compliqué, Béhémet. Le partenaire dit que c'est pas grave, puisqu'on fait que de donner le sang, on ne le jette pas sur le misbéar. Ouais, puisque le khatat, il faut juste asperger le sang, mais on ne le met pas sur le misbéar. Donc là, il y a lieu de tolérer, et il ne sera pas consommé par les kohanim. D'accord? C'est en deux mots, voilà ce qui est écrit dans le long premier porte noir qui explique comment ça marche. Maintenant, sur ça, vient Rabbi Yossi et nous apporte une précision. Amar Rabbi Yossi et Matai, Bisman Shalchu Zola Mizrach, Vezol et Marav. Dans quelle situation je te dis que chacune apportera un khatat et qu'on lui fera la melika, mais qu'on ne le mangera pas, il ne sera pas consommé par les kohanim? C'est uniquement Bisman, donc ça c'est Ematai, quand, dans quelle situation, Bisman Shalchu, à partir du moment où elles sont parties, Zola Mizrach, Vezola Marav, une elle a repris son chemin pour partir vers l'est, l'autre pour partir vers l'ouest, c'est une manière de dire qu'elles ne sont pas devant nous. Aval, Im Hayushten Omdot Kachat, par contre, si elles étaient les deux devant nous, Meviot Korban Venechal, elles apporteront en association, comme on l'a expliqué tout de suite, et il sera consommé, c'est-à-dire. En fait, on se retrouve avec les deux femmes, Rachel et Léa. On ne sait pas laquelle des deux a accouché. On a un doute, comme c'était le deuxième cas de la Mishnah. Ouais, les deux femmes, une qui a accouché, qui a fait réellement une fausse couche d'un bébé, et l'autre qui a fait une fausse couche d'un petit oiseau ou d'un poisson. Donc maintenant, elles se retrouvent devant nous. Alors on va leur dire, bon, le Ola, Korbanola, faites comme ce qu'on a dit, chacun apporte son Korbanola. Mais même pour le Khatat, au lieu que chacune il apporte un Khatat et qu'il ne sera pas consommé, achetez toutes les deux avec votre argent en association, vous achetez un seul khatat, et vous posez la condition. Rachel commence par dire, bon, si c'est moi qui ai accouché, alors Léa, tu me donnes ta part, pour que cette volaille m'appartienne à moi entièrement, et moi, je la porte en guise de khatat. Et si toutefois, moi, je n'ai pas accouché, alors toi, Léa, je te donne ma part dans cette volaille, et donc toi, tu seras la seule propriétaire unique de ce khatat. De ce fait, les Kohanim vont recevoir maintenant un seul khatat, et de deux choses l'une, il sera un bon khatat, parce que soit c'est le khatat de Rachel, soit c'est le khatat de Léa. D'accord? C'est le principe qui nous dit Rabbi aussi. Donc, si les deux, elles ont déposé leur argent, elles ont déposé les volailles, elles sont parties, alors effectivement, on fera la melika du khatat, on égorgera le khatat, mais sans pouvoir le consommer. Mais si elles sont toutes les deux devant toi, alors tu leur diras de faire la condition comme ce qu'on a expliqué. Il y a en cela un problème. Et c'est en cela que la halakha n'est pas établie comme Rabbi Yossi. On va d'abord poser, on quitte le cas de la yoledet, de la femme qui a accouché, qui a fait la fausse couche, pour parler d'un cas classique de khatat. Shabbat dernier, on a eu un doute, est-ce que quelqu'un, moi ou Réhouven, mon ami, on ne sait pas lequel de nous deux, il s'est levé dans la nuit et il a allumé du feu. On ne sait plus ce qui s'est passé, on était un peu tous les deux sonnés, on s'est levé, on s'est rencontrés, machinalement, il y en a un des deux qui a la transgression de la vie de Shabbat. On ne pourra pas apporter un korban khatat. Ah ouais, donc moi je ne sais pas ce que j'ai transgressé ou pas, lui c'est pas ce qu'il a transgressé, en théorie même, il faudra même apporter un korban hachem talouï, sans rentrer dans tous ces détails. On ne pourra pas en tout cas apporter un korban khatat, dans le doute, en disant bon, si c'est le mien, c'est pour moi, si c'est pour toi, c'est pour toi. Parce que pour un korban khatat qu'on apporte sur une faute, il faut nécessairement savoir que l'on a transgressé. Oh Hoda Elav Khatato Asher Khata, le pasuk qui nous dit. Le partenaire et la porte, Vaikra Dalet. Oh Hoda Elav Khatato Asher Khata. Il faut prendre connaissance, prendre conscience que l'on a transgressé. Et ensuite, on apporte un korban khatat. On n'est pas imposé de khatat tant que l'on ne sait pas est-ce qu'on apporte un korban khatat. Alors maintenant, ça c'est une halakha reconnue de tout le monde pour lorsqu'on apporte un korban khatat sur une faute. Rabbi aussi dit, cette fois-ci dans notre Mishnah, il nous dit, écoute, quand tu apportes un korban khatat, mais qui n'est pas sur une faute,
comme la Yoledet, que c'est juste son mode de purification qu'elle doit porter ce korban khatat. Dans un cas pareil, c'est pas grave si on ne sait pas qui est le propriétaire du korban khatat. Tandis que Chachamim vont dire qu'il n'y a pas de différence, on ne pourra pas apporter un korban de la sorte, et de ce fait, chacune devra apporter son korban khatat qui ne sera pas consommé. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov. Salam.